On sait depuis longtemps, depuis la fin du XXe siècle, tout le monde se bat pour essayer de trouver des solutions pour économiser de l'énergie. Tout ça pourquoi ? Pour préserver nos ressources naturelles. En plus, les dernières études nous montrent que plus de 60% de l'énergie est aujourd'hui utilisée par la consommation des moteurs électriques. Et c'est dans ce cadre-là que Helmut Moritz et moi-même avons créé un partenariat avec Victor Aristov, ingénieur électromécanicien qui consacre sa vie à la recherche et au développement de nouvelles technologies. Il a d'ailleurs créé à ce jour le moteur ASPP, que nous sommes en mesure de vous présenter. C'est une véritable révolution. Aujourd'hui, il existe des moteurs à orange. Ce sont les moteurs à iode. Ces moteurs-là consomment beaucoup moins d'énergie que les moteurs d'ancienne génération. Par contre, la technologie développée par Victor Aristov permet, elle, d'augmenter cette puissance jusqu'à 30%. Autant en termes de coût, de poids, de puissance, imaginez les gains en termes de consommation, c'est énorme. L'automobile, tout d'abord. De plus en plus de constructeurs développent des véhicules 100% électriques aujourd'hui. Nous avons donc nous-mêmes monté un moteur ASPP sur un prototype avec 4 roues motrices. Nous allons vous présenter les comparatifs techniques que nous avons réalisés. Principalement, nous avons constaté que le véhicule équipé du moteur ASPP consomme 90 Wh par kilomètre, quand les constructeurs sont à plus de 150 Wh par kilomètre. C'est 40% de gagné. Et le coup de génie dans cette technologie est d'avoir su produire un moteur économique et plus performant que la concurrence. Pour preuve, nous avons fait des tests d'accélération et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Notre prototype réalise le 0 à 100 km/h en 14 secondes, alors qu'il est plus lourd que les autres car c'est un 4 roues motrices. Je vous disais que dans certains cas, l'efficacité pouvait même être multipliée par 2. Je vais immédiatement vous citer un exemple. Nous avons utilisé une locomotive de 35 tonnes. Elle était équipée d'un moteur électrique de 11 kW, compacté à un poids maximum de 30 tonnes. Nous avons remplacé le moteur d'origine par notre modèle ASPP, de puissance équivalente, et nous avons pu tracter 65 tonnes. Nous parlons donc bien du double avec une température de fonctionnement moins élevée. D'où une plus grande longévité du moteur. Quand on parle de moyens de locomotion écologiques, on ne peut s'empêcher de penser au vélo, et notamment au vélo électrique. Quelques chiffres par exemple. En 2007, 6700 unités vendues. En 2013, 55 000 vélos électriques vendus, et ce, rien qu'en France. C'est un marché qui explose. Pour cette application, Victor Aristov a directement intégré le moteur ASPP dans la roue du cycle, permettant une réduction significative du poids et de la résistance magnétique pour un coût de fabrication bien moindre. Toujours dans une dynamique d'économie, mais pensons à l'industrie. Pourquoi ? On compte aujourd'hui rien qu'en France plus de 10 millions de moteurs électriques. Rappelez-vous, ils représentent 65% de la consommation énergétique industrielle. Bien sûr, tous ces tests ont été réalisés avec la collaboration des universités de Düsseldorf, Leipzig et Cologne. Évidemment, nous sommes heureux, grâce à cette nouvelle technologie, Helmut, Victor et moi-même, de participer activement au développement durable.